que l'on passe le niveau 1000. Coucou YouTube, tu viens de voir ça, c'est complètement ouf. Je te propose de t'abonner, liker, commenter, envoie de la force, je te fais des bisous. En fait, je comprends pas les gens qui sont dans un délire de vraiment jouer comme des gros fils de pute. Ah bah tiens, regardez le pseudo les gars. Toujours les mêmes. Mais non, regardez le pseudo encore les gars. Putain, les Frenchies, les gars. Après, ça doit pas être ma communauté, ça. Je pense pas que vous jouez comme ça, les gars. Vaut mieux prendre son temps avec le snipe. Rien ne sert de se dépêcher. Et comme un jour l'a dit un grand sage, les gars, si un jour tu t'endors avec le cul qui gratte, tu te réveilleras sûrement avec le doigt qui pue. Je ne peux pas vous en dire plus, chat. Les gars, est-ce que vous avez vu ce headshot? En fait, tu visualises, tu fermes les yeux, tu visualises en 3D où est la tête par rapport à là où t'as mis le viseur. Et après, en connaissant ta sensi, t'as plus qu'à faire le geste, tu vois. Il y a des pangolins un peu partout. J'aimerais aller vraiment défoncer absolument tout le monde. Ah, je vois qu'il est en train de monter. Ce que je vais faire là, les gars, c'est que je vais faire que des rushs et me servir de la voiture. Hein. Pour prendre mes avantages, c'est-à-dire que là je prends la hauteur, je le vise, il n'y a plus qu'à. Après il faut que ce soit rentable, genre un drone c'est 6000 balles. Ok, alors ça c'est intriguant. Je crois que je l'ai vu, oh le headshot. Il va partir? Monte ta tête, juste 2 secondes. 3, 2, 1. Ok. Alors là, il est clairement en train de vouloir s'échapper ou de me faire une rotation. Oh tiens, c'est le même TTV que tout à l'heure qui est venu me traquer. Je suis vraiment étonné. Ça fait plaisir aussi de tuer des TTV à chier comme ça. On va faire une petite game à l'arbalète, les gars. Je suis en train de faire péter les chevaux, frérot. Quand je vois un quad qui est à 2 mètres de moi et qui... C'était quoi son... On est d'accord que le mec qui m'a rushé avec son quad, il était dans un délire giga bresson, non? Putain les gars, est-ce que je vais réussir à atteindre le colis? Parce que ça grimpe là en vrai. Il y a 3 colis. Ok. D'accord. Alors il y a un découpé. Hop, il faut récupérer ça, il faut reprendre ça. Si tu veux. Alors, tu es actuellement en train de camper avec un snipe. Ici, j'arrive pas à te... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une paralysante. Voilà. Comme ça, je suis à la cool. Il va sûrement me tirer dessus. Bon, c'est imprenable. On peut pas monter par ce côté. Donc plutôt que de mourir. Alors, est-ce qu'on le voit encore? Tu vois, c'est ce que je vous dis, les gars. Dès que le mec, il a la hauteur, on a une sorte de contre-jour qui est...
Ok. Ok. Ah, j'ai... On peut le laisser s'éloigner. Le principal, c'est que cette flèche, elle touche. Hop, on le fait tirer au sniper. Hop, et là, on fait ça. Oh, putain. Putain, con. T'as vu? Vous avez vu, chat? On a deux points là-bas, à 200 mètres. On va se dépêcher, hein. Allez, go, on y va. Merci Ripouille pour le sub. Alors donne-moi une dernière info s'il te plaît avant de te ravitailler. Ok, t'es pile sur le point. Bon, alors, petite question, sachant qu'il a un mec juste devant lui. Pourquoi il me tire sur moi? Ok. Genre... Depuis tout à l'heure, il le voit exactement autant qu'il me voit moi, donc pourquoi me tirer dessus à moi? On va lui poser la question. Là, on avance grâce au bouclier. On prend de la zone. Ah merde, on se l'est fait voler. On peut pas lui poser la question comme on le voulait. Alors ce mec, il joue pas mal sa vie parce que... Ah. Je fais genre, je passe sur la gauche, il va tourner sûrement son viseur. Et hop, on lui remet la flèche par la droite. Hein. Alors pour le coup, il y a pas cru. Je vais pas vous mentir, généralement quand tu crois pas à ça, c'est parce que t'es con. Parce que c'est imprenable ce genre de truc, genre tu fous une para à droite, tu lui montres que tu pars à gauche, le mec, il va prendre son joystick, il va mordre dedans, il va tirer sec sur la droite, tu vois. Et là c'était pas le cas parce que je pense que la personne elle avait 4 de QI ou peut-être qu'elle faisait à manger en même temps, peut-être qu'il léchait le cul de son chien, j'en sais rien tu vois. En fait, il est rentré là. On va y aller, on va faire un petit saut en parachute histoire de gagner un peu de temps et que la personne ne s'éloigne pas trop. Ok, le mouvement est super, le mouvement est nickel, le mouvement est parfait. Ok, gain de temps ultime. Petite paralysante à l'intérieur, elle para pas. C'est pas grave, on va prendre l'information à l'ancienne. Se boire une bière le temps qu'il crame. Propre. Carré dans l'axe. Sur Caldera, les gars, vous devez apprendre à vous servir des véhicules. Pour tout ce qui est rotation et tout, c'est trop important. Et en fait, pour tout vous dire, les gars, même si. C'est risqué d'exploser parce qu'il y a des C4, des trucs et tout. Il faut toujours, j'ai l'impression, de prendre des véhicules. T'as une sorte de gain de temps qui est insane, tu vois. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup d'épaule à gauche pour mettre pour le pinguer. Et une fois que c'était pingué, bam, il n'y avait plus qu'à faire la décale. Il n'y a pas besoin de paralyser ou quoi. La flèche, c'est faire son taf. Ok, ce connard numéro 2 était un homme en parachute. Mais on a l'info qui veut tomber là-bas. Donc, est-ce qu'on est en train de traquer un mec qui vient tout juste de rentrer du goulag? Peut-être. Est-ce que par obstination, on part hors zone? Oh ouais. Rotation! Trois personnes là-bas. Et vu qu'ils sont à plus de 200 mètres, c'est qu'on a capté deux fantômes. On peut voir qu'il y a une voiture juste à ma droite. Il y a un mec en face de moi. Peut-être qu'il m'attend au C4 ou quoi. Il joue très sneaky. Hop, on va. Je suis mort. Il a réussi à me coller la grenade. Alors... En fait. Alors, il a pas balancé la grenade sur moi. Il a tout tiré dans le bouclier. Et malgré qu'il ait tout tiré dans le bouclier, il m'a quand même break shield. Bien joué. J'ai pris une horreur, les gars. C'est pas grave.
va retourner là où j'étais. Alors le seul petit problème, c'est que ce mec il joue avec ses armes. Oh merde. C'est quand même fou. Ce joueur était en train de jouer. Ce joueur est en train de jouer complètement par hasard avec ma classe. Et là, il y a un autre mec qui me rush alors que personne ne m'a rushé de la partie. Je prends. Je vais mettre ça sur ma. Sur mon petit bloc-notes hasard. C'est pas grave, je leur en veux pas et tout. Ok, on a les deux voitures qui viennent de disparaître. Je vais me balader avec, avec la portière de 208. J'ai plus de termites et j'ai plus de paralysantes. Ok, j'ai une paralysante. J'ai un masque. Ok. Et je peux reprendre. Alors, pas ce bouclier, mais le mien. Ok, plus que 10. C'est une bonne information, ça. J'aimerais bien prendre un petit autoréa. En fait, là, en fait, les possibilités de cachette, elles sont infinies, les gars. Alors là, on peut voir qu'il y a juste à gauche, ça tire. On va essayer de prendre l'information. On va essayer de mettre un petit. Ok, on est parti sur un petit réflexe des familles sympathique. On aime beaucoup. Je vais rester sur la hauteur pour essayer de prendre des informations, prendre des gens qui piquent. Je me sers des. Là. On... Je vais me servir des jumelles pour. Vous avez vu? Le mec m'avait repéré. Le mec m'avait repéré parce qu'il campait sur le côté. Et là, moi, la personne que je viens de repérer... C'est personne. C'est un leurre. Je suis un tocard. Petite décale. Step back step. Headshot. Alors là, il n'y a pas de problème, tu vois. Il peut nous tirer dessus, lui. Bon. Je l'ai repéré. Du coup, je vais mettre une frappe ici. Pourquoi est-ce que je l'ai mis là, la frappe? Parce qu'il va avoir l'alerte. Mec, il veut se taper. Il m'a rushé. Peut-être qu'il est juste en dessous, peut-être qu'il est contre. Un rat de cette taille, il faut lui tirer dans les fesses. C'est la seule solution. Tirer ailleurs. Hop. On va se reshielder, les gars. Je vous rappelle que j'ai perdu survolté. C'est pour ça que ça prend autant de temps à changer d'arme et tout. On va quand même prendre. Hop. On va quand même essayer de se placer. Est-ce qu'on peut monter sur Skyou? Ouais, on peut. On peut monter sur Skyas. C'est pas la meilleure position. Hop. Faut faire attention de la gauche. Dans la logique, il y a quelqu'un qui est caché dans les ruines. Et ce mec caché dans les ruines, hop, on va avancer avec le bouclier, les gars. Au cas où. On va mettre la musique de fin de game et tout, tranquille. Oubliez pas, les gars. Il doit rester que des rats. Et là, on a repéré le dernier joueur. Il est là-bas. La flèche passe à côté, j'en mets une un peu plus basse.
Elle passe aussi à côté, j'en mets une autre. Un chouïa plus basse, en fait elle passe pas dessus. J'en mets une autre. En fait j'arrive pas à toucher à cette distance. Je sais pas ce qui se passe. Je tire sur un fantôme. Cette personne est réelle. Je sais pas. Elle s'était dessus mes flèches, au moins deux. Où est notre joueur, les gars? Où est-il? Il tente la décale. À mon tour. Un petit step back step. On prend l'info. On décale. On wait. On prend l'info. On décale. J'ai plus de vie. On re-shield. On prend l'info. Il décale. On prend l'info. On tire. On change de position. On prend l'info. Je comprends pas pourquoi est-ce que mes flèches passent pas. Je veux bien que j'en ai tiré à côté, mais pas toutes. C'est lui qui a la zone. Il a de la chatte. Je tente un truc. Une paralysante, une décale. C'était dur, hein. Je prenais les infos, je décalais, J'en ai tiré pas mal sur lui, mais ça prenait pas. Bon, ce qui compte, chat, c'est la victoire, comme on dit. Hein. Chat. C'est sur une victoire à l'arbalète que l'on passe le niveau 1000.